5 raisons de ne pas marcher à la victoire d'Alassane Draman Ouattara à la présidentielle ivoirienne. Grand 1. Pour pouvoir organiser des élections crédibles en Côte d'Ivoire, il aurait fallu attendre le désarmement des rebelles et l'édification de listes électorales fiables, entre parenthèses, ce qui revient au même. Le lundi 29 novembre 2010, la Côte d'Ivoire compte ses bulletins de vote. Lendemain de second tour, opposant Laurent Gbagbo à Alassane Draman Ouattara, a.k.a. Ado. Depuis 2000 et son élection, Laurent Gbagbo essuie les tentatives de coup d'État, les déstabilisations, les campagnes de presse. Depuis 2000 aussi, la France n'honore plus avec la Côte d'Ivoire les accords de coopération militaire, ceux du fameux pacte colonial aux conditions indicibles, qui protègent en principe les leaders africains en échange de menus avantages. Voir le film « La France-Afrique », savoureusement diffusé au même très bon moment sur France 2. En septembre 2002, quelques mois après l'africaine réélection de Jacques Chirac en France, profitant d'un voyage de Gbagbo en Italie, une mutinerie éclate en Côte d'Ivoire. Contre toute attente, au lieu de se réfugier chez les Français, comme le font tous les présidents africains marionnettes, Laurent Gbagbo rentre à Abidjan. Et déjà, c'est la foule, la rue, qu'il ramène au pouvoir. La mutinerie venait du Nord, les médias français et africains derrière, alignés déjà sur la si sujette à caution Agence France Presse, tout est dans son nom, commencent à parler ethnie, religion, tribalisme. En entérinant militairement en 2004 la partition du pays avec la zone tampon et la coûteuse opération Licorne, la France empêchera le pouvoir ivoirien légal de mettre un terme à la rébellion. Ingérence, ingérence. Une rébellion qui achève vite de démasquer ses leaders, Ouattara, Soro, ses appuis, la France, et ses bases arrières, le Burkina Faso du soldat français Blaise Compaoré, et le Gabon, où ce vieux franc-mac d'Omar Bongo a si souvent accueilli son frangin Alassane Draman Ouattara, allez savoir pourquoi. Mais d'abord, 2003, signature des irréels accords de Marcoussi en France, au terme desquels Gbagbo devait déléguer son pouvoir à un premier ministre et accepter des rebelles des forces nouvelles dans le gouvernement. Début d'une partie d'échecs institutionnels et politiques plus ivoiro-ivoirienne. Elle durera 7 ans. Dans les médias occidentaux, ça donnera « Laurent Gbagbo s'accroche au pouvoir ». Sans jamais rappeler que sur 60% du territoire, Gbagbo n'exerce ni ne prélève rien et se contente de réclamer à l'Organisation des Nations Unies des conditions acceptables pour une présidentielle à même de raccommoder le pays. 2004, rebelote, l'armée française s'interpose à nouveau, mais cette fois en plus, elle tire sur la foule devant l'hôtel Ivoire, et se ridiculise. Mediapart et Canal+ l'ont amplement démontré, même si Madame Alliomari empêchera les rediffusions de documentaires à charge, comme le révélera le journaliste Paul Morera. 2005, africanisation de la crise, avec l'entrée en scène de l'Afrique du Sud. Ce qui donnera lieu à des négociations burlesques, lors desquelles l'ancien président Henri Conan Bédier du PDCI, héritier d'Houphouët-Boigny, et de fait aux côtés des rebelles, ainsi que le LUAre, plus loin commandé Chirac, sort régulièrement de la salle de réunion pour appeler Paris et se prononcer ensuite. 2007-2008. Blaise Serial Killer Compaoré, allié et fournisseur objectif des rebelles, devient facilitateur du processus de paix. Prix à payer pour Gbagbo s'il veut tenir la France éloignée des négociations. Les accords finiront même par être signés à Ouagadougou. Si les protagonistes sont ivoiriens, l'ONU et un Kofi Annan pas très pro-Gbagbo tient au final à peu près la place de la France jusque-là. Laurent Gbagbo accepte comme Premier ministre Guillaume Soro, chef des rebelles, responsable de milliers de morts, qui en demandera d'ailleurs pardon à la nation. Au terme des accords de Ouagadougou, la feuille de route semble clairement définie, et dans un ordre évident. 1. Désarmement des rebelles au nord. 2. Édification de listes électorales fiables. La population a triplé en 30 ans grâce à l'immigration massive des pays voisins. 3. Organisation d'élections présidentielles à même de garantir la souveraineté complète de l'État ivoirien sur la totalité du territoire. Le tout sous l'égide et la haute bienveillance de l'Organisation des Nations Unies. Pas besoin d'être grand clerc ni spécialiste de l'Afrique pour convenir que 2 points. 1. Les rebelles n'ont pas été désarmés par l'ONU avant les élections. Qu'aurait-on dit si Laurent Gbagbo les avait à nouveau repoussés ? 2. Les listes électorales ne sont par conséquent pas fiables.
surtout au nord, ce qui facilitera grandement les bourrages d'urnes et les émissions de cartes d'électeurs indulgentes. 3. Les élections ne se sont donc pas déroulées au nord dans des conditions onusiennement ou ouagadougouennement acceptables. Quant au reste du pays, Alassane Dramane Ouattara et son camp n'ayant pas posé de recours, tout a dû bien se passer. Grand 2. La douloureuse question du taux de participation, qui paraît rendre impossible une victoire de Alassane Ouattara. Déjà certains avaient sous trait d'union ri amèrement en découvrant que Conan Bédier avait fait moins que Ouattara au premier tour. Ça semblait étrange, pas si évident que ça. Soupçons vite dissipés, on s'en doute. Bédier a toujours été obéissant. Durant quelques jours, il jappera vaguement, puis fera 3 tours sur lui-même en bougonnant comme un vieux chien avant de se coucher. Il appellera même à voter Ouattara. Dès le soir du second tour, une évidence s'impose. France 24 s'en fera d'ailleurs l'écho. Le taux de participation est inférieur de près de 10% à celui du premier tour. Moins de 70% au second tour contre plus de 80% au premier. Alassane Ouattara ne pouvait arithmétiquement gagner qu'en bénéficiant d'un report parfait, complet, total, des suffrages portés au premier tour sur son vieil ennemi Bédier. Pour obtenir l'addition idoine, il aurait nécessairement, et au minimum, fallu le même taux de participation. Conclusion, une partie de l'électorat de Bédier, de l'électorat baoulé comme on dit, ne s'est pas déplacée. On n'aime pas Gbagbo, peut-être, mais encore moins Ouattara. Parenthèse à l'attention des journalistes français. L'ivoirité, sur laquelle, telles les cuistres de bistrot ou les militaires français à Boaké en 2004, vous avez tant ironisé et glosé, tant sous-entendu, ce n'est pas Laurent Gbagbo qui en est le père. Le concepteur, c'est Henri Conan Bédier, dans les années 90, pour sortir Alassane Dramane Ouattara du jeu électoral. Jeu électoral dans lequel le remettra plus tard en gage, manifestement inutile de bonne foi, Laurent Gbagbo. Dès le 28 novembre au soir, une fois connu le taux de participation, pour les observateurs sérieux, Laurent Gbagbo avait gagné. Grand 3, Aurore Berger. Lundi 29 novembre 2010, vers 15h30, des observateurs sérieux, ils sont même français, constatent sur Twitter qu'une rumeur circule, insistante, déjà reprise. Ado gagne avec 55%. Remontant le fil de la rumeur, ils parviennent jusqu'à une jeune responsable UMP, Aurore Berger, proche de Valérie Pécresse, candidate malheureuse contre Benjamin Lancard pour la direction des jeunes populaires, SIC. Liée ni de près ni de loin apparemment, ni à la Côte d'Ivoire, ni à l'Afrique, ni à la coopération ou à la francophonie. Contactée et interrogée sur la responsabilité qu'elle prend, sur celle qu'elle fait prendre à son parti, l'UMP, en faisant circuler à cet instant-là une telle rumeur, elle accuse le coup, efface son message sur Twitter et parle en guise de source d'une amitié en Côte d'Ivoire qui lui aurait transmis l'info. Le même soir, le tout Paris afro-caribéen, réuni dans une soirée humanitaire de l'AMREF, bruisse d'une rumeur folle. Les plus malins clignent de l'œil, c'est plié, c'est entendu. Ouattara gagne avec 55%. Chacun ou presque a reçu qui un SMS, qui un mail, qui un message sur Twitter lui annonçant la bonne nouvelle. Les élites médiatiques et politiques afro-caribéennes de France sont convaincus dès le 29 novembre que Alassane Ouattara a gagné. La moitié du boulot est donc fait. Dans quelques heures, les journalistes français vont commencer à solliciter ces mêmes élites, histoire de prendre la température, de se doter d'une importante opinion, de savoir quoi penser. Parce que pour eux quand même un peu, Gbagbo ou Ouattara, c'est Bamboula et compagnie. Parenthèse, rappelons à cet instant qu'à la suite d'incidents, au premier tour, provoqués par ceux qui y avaient objectivement intérêt, et sans que cela ne défrise personne dans les médias, la diaspora ivoirienne de France, la plus importante, a priori acquise à Gbagbo, n'a pas voté. Elle a été éliminée pour cause d'incident. Pourquoi l'annulation pure et simple des votes de la diaspora française pose beaucoup moins de problèmes que celle auxquelles a procédé le Conseil constitutionnel ivoirien pour les régions du Nord litigieuses? Le monde entier, enfin, le monde occidental, est désormais convaincu que Ouattara a gagné, que Gbagbo a perdu. C'est décidé. Merci Aurore Berger. Grand 4, la commission électorale dite indépendante, CEI, et le Conseil constitutionnel ivoirien. La commission électorale dite indépendante, mais en fait à 90% ouattariste, n'est pas plus indépendante que le Conseil constitutionnel, mais lui est légitime et constitutionnel.
La commission électorale dite indépendante ne peut et ne doit s'exprimer que devant la Côte d'Ivoire, les médias ivoiriens donc en premier lieu. Elle ne peut et ne doit le faire qu'après que les résultats eussent été, ouvrez les guillemets, consolidés sur la base du consensus, fermez les guillemets. Durant 3 jours, le président de la commission électorale dite indépendante, Bakayoko, est incapable de fournir la moindre réponse aux interrogations, puis aux accusations, et même aux preuves qu'il y a eu tricherie, bourrage d'urnes. On parle de 600 000 électeurs fantômes ayant voté Ouattara, intimidation et violence dans le nord et parfois dans l'ouest. La commission électorale dite indépendante doit donner une première évaluation avant le mercredi 1er décembre 23h59. Elle en est si peu capable qu'une tentative de passage en force aura même lieu. Un ouattariste, dopé par les responsables français, américains et donc onusiens, feignant de venir sauver la démocratie à lui tout seul devant les caméras, s'apprêtait à donner des chiffres non consolidés, lorsqu'un bagbiste lui a arraché la feuille frauduleuse des mains. L'image, détournée de son sens, a fait le reste. Relayée par des médias de masse, elle a construit celle d'un Ouattara à la fois victime et victorieux. Média mensonge, comme dirait Michel Collomb. Au point de faire oublier ou admettre à tous que les soi-disant résultats ont été donnés illégalement et illégitimement, puisque devant les caméras d'un pays étranger, France 24, l'ancienne puissance coloniale, comme on l'appelle parfois ailleurs qu'en France, après que les ambassadeurs de cette même France et des USA aient pris Bakayoko par le bras pour l'entraîner de force jusqu'au Golf Hotel, dans le camp d'un des candidats. Un Bakayoko qui osera affirmer plus tard sur la si coopérante RFI qu'il n'était pas au courant que l'hôtel du Golf était le QG de Ouattara. Le 2 décembre pourtant, l'Élysée et la moitié de Carla Bruni, le président français Sarkozy, pondent un communiqué pour le moins troublant. Ouvrez les guillemets. Il appartient désormais au Conseil constitutionnel de proclamer les résultats définitifs dans le strict respect de la volonté clairement exprimée par le peuple ivoirien. La certification des résultats par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en dépend. Consultable sur le site de l'Élysée. On comprend bien que pour lui, le Conseil constitutionnel doit proclamer les résultats favorables à Ouattara, ceux que les chancelleries et médias occidentaux font circuler sans relâche depuis le 29 novembre, ce qui semble s'être médiatiquement imposé. Néanmoins, c'est écrit en toutes lettres. Il appartient au Conseil constitutionnel de proclamer les résultats définitifs, ce qu'il fera, en proclamant Laurent Gbagbo président, ainsi que l'eussent fait tous les conseils constitutionnels du monde. La commission électorale dite indépendante ne pouvait institutionnellement, organiquement et fondamentalement pas avoir un statut comparable. Détail. Le camp Ouattara sera visant, essaiera à longueur d'interview d'imposer un taux de participation finalement corrigé à plus de 80%. Il a certes l'avantage de rendre arithmétiquement possible la victoire, mais à part les complices, par leur silence, journalistes français, personne ne prend ce taux de participation nouveau au sérieux. Grand 5. À partir du moment où Ouattara a triché, Gbagbo a gagné. Comme le dit Serigne Seck, on ne triche pas pour perdre. Or, comme le camp Ouattara n'a déposé aucun recours, s'il y a eu tricherie, et chacun convient qu'il y a eu tricherie, elle ne peut venir que de son camp. Gbagbo a donc forcément gagné, puisqu'il n'a pas triché. La démocratie, j'ai bien compris la leçon, ce n'est pas juste un scrutin, c'est une morale, un respect des institutions et un esprit genre Coubertin. Qui oserait déclarer vainqueur un tricheur? À quel peuple pourrait-on souhaiter un président qui piétine ses propres institutions? PS. Parlant d'institutions, on a cru un temps que l'UA était bien celle qu'on croyait, celle qui avait commencé par enlever le haut en 2002 avant de nous montrer son cul à Addis en 2011. Mais à y bien re-regarder, que disent les conclusions de l'UA d'Addis? En somme, la même chose, et dans les mêmes diplomatiquement choisis termes que la Russie. Addo est bien le président, oui, à condition qu'il se fasse proclamer tel.